C'est par la ville de Pitoa que la caravane de la commission départementale de campagne du RDPC pour la Benoué a achevé sa campagne dite de proximité démarrée le 27 novembre dernier et qui l'a conduite à travers les 12 communes du département à la rencontre des 384 conseillers municipaux de la Benoué. Nous avons pu faire les 12 communes. Nous avons rencontré tous les conseillers de ces communes. Nous avons rencontré les conseillers de l'opposition dans les 12 communes. Alors aujourd'hui, à la 12e étape de notre tournée, je voudrais dire que je suis un candidat satisfait. Et bon, aucune élection n'est gagnée d'avance, hein, ça je vous le dis. Mais nous avons grand espoir que les choses seront positives au soir du 6 décembre. Bien que le rapport de force soit favorable au RDPC qui dans la Benoué dispose de 248 conseillers municipaux sur les 384 recensés, le candidat Eladj Amadou Bouba et ses camarades, conscients qu'aucune élection n'est gagnée d'avance, n'ont donc ménagé aucun effort pour fidéliser les conseillers RDPC mais également convaincre ceux des partis concurrents à soutenir la liste du parti du flambeau ardent. On leur a démontré par A plus B que le conseil régional, compte tenu des membres de la composition de cet électorat, sera un conseil RDPC. C'est ce qu'on a dit aux gens d'opposition. Alors ça ne vaut pas la peine de se déchirer pour rien. Il faut qu'ils viennent apporter leur voix pour dire qu'ils sont, nous sommes comptables, le conseil est comptable aussi devant eux parce qu'ils ont voté ce conseil. Ça ne vaut pas la peine de rester 5 ans à critiquer. Non, qu'ils viennent avec nous. C'est donc requinqué et rassuré que les conseillers municipaux du RDPC de la Benoué s'apprêtent à se rendre aux urnes ce 6 décembre à Garoua avec la promesse ferme de rester loyal et voter la liste conduite par leur camarade Eladj Amadou Bouba. Rien que la liste du RDPC qu'ils vont voter au régional, ils ne voteront pas d'autres listes. Parce que on dit souvent, vaut mieux 5 lions que 500 moutons. Donc notre 8 représentants là voteront effectivement le RDPC. Notre emblème, et c'est bien écrit RDPC, c'est de ça qu'il s'agit.